La présidente du Parlement sud-africain risque une arrestation imminente pour corruption après qu'un tribunal ait rejeté mardi sa demande d'empêcher la police et les procureurs de l'arrêter. Nosiviwe Mapisa-Nkakula, membre éminent du parti au pouvoir, le Congrès national africain, est accusé d'avoir reçu des pots de vin de la part d'une entreprise du secteur de la défense alors qu'elle était ministre de la défense. Selon les procureurs, elle aurait reçu 11 paiements d'un montant total de 135 000 dollars entre décembre 2016 et juillet 2019. Les législateurs de l'opposition ont demandé qu'elle démissionne de son poste de présidente du Parlement en raison de ces allégations. Le porte-parole de la National Prosecuting Authority, Mthunzi Maga, n'a pas précisé quand l'arrestation aurait lieu, mais il a confirmé que le jugement ouvrait la voie à cette arrestation. Mapisa Nkakula est la dernière personnalité du Congrès national africain à faire l'objet d'allégations de corruption, alors que le parti se prépare à disputer des élections nationales difficiles cette année.